Salut, bienvenue pour ce nouveau live. Cette semaine, je vous propose un mélange de rock progressif et de jazz fusion. Nous accueillons le groupe Nikas. Ces quatre musiciens aiment Hiatus Kayoté, ça tombe bien, nous aussi. Leur musique joue sur les nuances et les changements de rythme. Allez, on les découvre tout de suite en interview et juste après en live. C'est parti. D'où vous vient ce nom de scène, Nikas ? À la base, en fait, ça vient du diminutif Panonika. C'était une duchesse qui avait hébergé et puis aidé beaucoup de musiciens de jazzman quand on faisait du jazz à l'époque. Et du coup, on a voulu garder ce nom, Nikas, le petit diminutif, et on l'a rendu un peu plus agressif en remplaçant le C par un K. Présente-nous le morceau que vous allez jouer. Alors le morceau Run After Time, c'est un morceau qui est pareil, qui est très progressif. Il y a des montées, des descentes, des changements de métrique, d'univers. Et c'est en même temps doux et en même temps agressif. Mathis, parle-nous des effets que tu utilises sur ton saxophone soprano. Oui, j'utilise plusieurs en fait, pédales de guitare pour changer, moduler le son un peu du saxophone. Je ne suis pas le premier à le faire, mais ça rend quelque chose d'intéressant, surtout au soprano. Donc ça permet de changer complètement le son du saxophone et d'avoir l'impression d'entendre un synthétiseur, par exemple.